Je démarre ce vlog. Il est seulement 8h45 et pour une fois, j'étais en avance à l'école. Donc du coup, je les ai un peu speedés là, les enfants, ce matin. Parce que j'en ai vraiment assez d'être. C'est pas que je suis en retard, hein, parce que c'est pas fermé hein, le portail, mais c'est que j'arrive à la dernière minute. Donc, et je déteste ça. Ah, bon, je m'excuse et tout auprès de la dame qui garde le portail et tout, mais j'aime pas ça. Enfin, c'est pas correct pour celles qui y attendent, justement. Bref, donc là, on a attendu devant le portail que ça ouvre tellement que j'étais en avance. Donc, c'est un miracle. Je sais pas si je vous ai dit la date. Donc on est le 15, on est jeudi 15 février. Ce matin, je vais me mettre au montage de la vidéo d'hier. Je vous ai fait deux recettes, donc une sucrée et une salée. La salée, elle est avec le cookéo. Et la sucrée, je vous ai posté une photo sur Instagram. C'est des cupcakes cœur, banane cœur Nutella. Je vous rassure, il n'y a déjà plus rien. Il y en avait 12 à la base, là, il n'y en a déjà plus. On a mangé les deux derniers ce matin. Voilà, ensuite je vais refaire mes ongles en semi-permanent. Voilà, à cause de la repousse, là vous voyez qu'il y a la repousse. Et sur cette main, il y a quelques doigts qui sont un petit peu abîmés. Hop, hop, celui-là. Et celui-là. Celui-là que j'ai arraché au bout du compte. Voilà, donc je vais refaire ça. Je vais vous montrer ce que j'utilise pour. Quelle marque j'utilise pour faire mon semi-permanent, qui est vraiment pas mal. Cela, c'est vraiment. Alors déjà, il ne faut pas de base, il ne faut pas de top coat. Il faut juste voilà, la couleur. Et ça fait tout, ça, si vous voulez, ça fait 3 en 1. Ça fait base, couleur et top coat. Donc c'est génial. Ça me fait un gain de temps phénoménal. Donc c'est pour ça que je reste sur cette marque. Et voilà, j'ai seulement deux couleurs. Mais voilà, ça me suffit pour l'instant. J'alterne entre le blanc et un petit peu une couleur. Un peu ce style-là de couleur rosée, un petit peu plus clair, nude. Et voilà, donc ne faites toujours pas attention à ma tête. Moi, le matin, quand je vais amener les enfants, je suis pas maquillée. J'ai pas le temps. Ou alors, des fois, si j'ai le temps, c'est vraiment exceptionnel. Bref. Et je vous montrais dans ma vidéo d'hier, du coup, vous la verrez, vous l'aurez déjà vu quand vous verrez ce vlog. Mon chéri qui est arrivé avec un joli bouquet de fleurs. Nous, en général, on ne fête pas Halloween, j'allais dire. Nous, on ne fête pas la Saint-Valentin. Mais c'est vrai que il m'apporte tous les ans, sans faute, il m'apporte mon bouquet pour la Saint-Valentin. Voilà. Et même pas obligé pour la Saint-Valentin, c'est vrai que c'est très régulier qu'il me rapporte un bouquet de fleurs comme ça. Le dernier en date, je pense que c'était il y a environ 3 semaines, je crois. Il revenait d'une partie d'airsoft un dimanche. Je sais pas, en ramenant son pote, il s'est arrêté chez le fleuriste. Et je sais pas, comme ça il avait envie, il m'a apporté un bouquet de fleurs. Il sait très bien que j'adore ça. J'adore les bouquets, j'adore, je trouve que c'est vraiment très joli sur une table. Donc du coup, bah il le sait et il veut me faire plaisir. Donc celui-là, je vais vous le montrer. Voilà, il est comme ça. Et je l'ai trouvé vraiment très très joli. Et là, je sais pas ce que c'est. On dirait que c'est des feuilles, enfin des fleurs de chou. Franchement, ça a vraiment la texture et la forme, la couleur et tout. De feuilles de chou en fait, c'est assez étrange, j'ai jamais vu ça en fait sur des bouquets comme ça. Voilà, donc si il y a des fleuristes parmi vous, dites-moi ce que c'est. Je trouve ça super joli et original. Avec ces fleurs, des petites roses évidemment, et voilà, je trouve vraiment très très joli ce bouquet. La Boubinette qui commence à s'impatienter, je vais te libérer et on va aller au dodo casque. T'es fatigué. Bon, ça y est, j'ai enfin fini de monter ma vidéo. Là, il est déjà 11h. Ça passe tellement vite le temps. Et entre-temps, j'ai reçu un petit colis que j'attendais. Excusez-moi pour ma voix, je crois que je commence à être malade. C'est les couches Lilidou. Alors ça, je vais vous en faire une vidéo spéciale, comparative, parce que j'ai essayé donc les June, les Lilidou, les Lotus et avant, j'ai essayé les Pampers aussi, mais c'est vrai que je les prends plus du tout parce que c'est bourré de cochonneries. Donc du coup, voilà. Donc si vous voulez, on peut faire l'ouverture. Je fais l'ouverture avec vous parce que j'ai commandé des nouveaux motifs sur les couches et je voulais les regarder. Donc du coup, bah voilà.
Là, donc, du coup, je suis passée en taille 3. Déjà pour les June, j'étais en taille 3. Et voilà, du coup, j'ai commandé il y a 4, 4, 5, 6 paquets. Ça, c'est le bon de retour au cas où j'ai des couches en trop. J'ai un bon de retour. La pub, la pub. Alors, du coup, ça c'est le motif. Alors, attendez. Ça c'est le petit motif avec des petits symboles comme ceci. Avec des petits renards. Elles sont vraiment très chouettes celles-là. Et pour terminer, j'ai commandé également. J'en ouvre trois, mais de toute façon, je sais que je vais les utiliser, ça part vite. J'ai commandé également celle-ci, que je trouve vraiment très jolie. Là, pour cet été, celles-ci, bah, elles seront géniales. Et comme toujours, très très souples. Là, je suis en train de faire mes courses sur le drive. Donc là, il est 11h13. Je me dépêche, comme ça, après, à et demi, enfin 45, je vais aller chercher mes enfants à l'école. Donc pour l'instant, j'ai pris des avocats. Alors si vous me connaissez, si vous me suivez sur Instagram, vous savez pertinemment que durant ma grossesse, j'en ai mangé et mangé des avocats. Presque tous les jours, j'en mangeais un. C'est vraiment mon fruit. Je dis que c'est un fruit parce que c'est bel et bien un fruit. Mon fruit préféré, je le mangeais voilà, simplement coupé en tranches avec du sel et du vinaigre, de la crème de balsamique. Et voilà, donc du coup, j'ai pris ça, j'ai pris du poireau, j'ai pris des perles multicolores là pour faire la pâtisserie, la levure chimique, de la farine, et j'ai pris des purées bah, toutes faites d'artichaut parce qu'en fait, si vous voulez, moi l'artichaut, c'est compliqué de le faire maison. Si c'est pour acheter un artichaut ou deux, devoir le cuire, devoir juste récupérer les petites feuilles et les manger moi-même, quoi. Et garder le cœur pour le mixer. Franchement, si vous vous retrouvez avec un petit cœur comme ça et qu'il faut le mixer, qui vous donne une purée comme ça, vous avez compris quoi. Moi, l'artichaut, je pense que ça va pas être possible de le faire maison malheureusement. Mais bon, je veux quand même qu'elle y goûte. Donc, du coup, bah, je suis obligée d'en acheter comme ça, tout fait. Ensuite, je sais pas vous, mais moi, en ce moment, j'ai une cagne de faire les courses. Alors déjà que je l'ai fait sur le drive, mais même sur le drive, franchement, j'ai En ce moment, j'ai pas d'inspi. J'ai vraiment pas d'inspi. Donc, j'étais aussi en train de regarder les cuissons 3 minutes là. Pour moi, c'est des pâtes que j'achète jamais. Mais jamais, jamais. Même si je suis pressée, franchement, ça vous coûte quoi de rajouter 4 minutes de cuisson pour des pâtes bah, normales quoi. Je veux dire, les cuissons 3 minutes, je pense que c'est vraiment pas bon du tout. Parce que si vous voulez, bah, la pâte est hyper fine. C'est ça qui permet de les cuire plus rapidement. Et donc du coup, vu que la pâte est hyper fine, bah, vous avez l'impression de rien manger. C'est pas consistant, donc du coup, dans l'estomac, bah, ça va pas vous tenir autant que des pâtes normales ou voire complètes, quoi. Et voilà, moi j'en achète jamais, je trouve ça. Il suffit que vous vous loupiez en plus pendant la cuisson, vous laissez 1 ou 2 minutes de plus, et puis les pâtes, bah, elles ressemblent plus à rien, c'est de la purée. Voilà. Alors des coquillettes, ça, je suis obligée d'en racheter. Parce que mon plus petit garçon, bah, il pourrait en manger tous les jours. Voilà. Enfin, comme tous les enfants. Hein. Et sinon, moi, je privilégie les pâtes complètes. Parce que je trouve que c'est meilleur. Et ça tient au court, au moins. Comme celle-ci. Regardez-moi cette petite poupée. Qui vient de se réveiller. Je voulais vous la montrer parce que je trouve que le bleu, ça lui va trop bien. Avec ses yeux tout bleus. Ah, ma poupée. Ah oui, ça te va bien le bleu, t'es belle. Je viens d'aller au courrier et j'avais commandé des petits bandeaux pour ma fille. En fait, c'est un Instagram d'une copine
Instagrammette, du coup, que je suis depuis un très long moment, depuis elle a deux enfants, un garçon qui est plus grand donc, et sa dernière, une fille. Et du coup, bon, ça fait un moment que je la suis, hein, depuis, je crois, la grossesse de son garçon. Et là, du coup, ben, je lui ai commandé, elle fait des petits bandeaux elle-même. Et je lui en ai commandé quatre. Donc, je voulais vous montrer ça. Déjà, c'est super bien présenté. Bon, je l'ai ouvert hors caméra parce que c'est compliqué à une main d'ouvrir le sachet. Voilà, donc ça c'est son Instagram. Non, c'est pas un Instagram, c'est un TikTok, il me semble. Je vous mettrai l'adresse en barre d'infos. Mais voilà, ça c'est le nom. Et donc elle fait tout elle-même. Voilà, donc j'ai commandé celui-ci qui est un vert kaki. Celui-ci que vous voyez rouge à la caméra, mais en fait, en réalité, il est couleur brique. Celui-ci, façon un petit peu Liberty. C'est du gris avec un petit peu de rose et de blanc. Et celui-ci, pareil, qui est un petit peu couleur Liberty en bleu foncé, enfin bleu-gris plutôt. Et voilà, donc je vais essayer ça sur ma poupée cet après-midi. Et je vous montre en reste. Bon là, elle n'est pas habillée en conséquence, évidemment. Elle a un pull polaire parce que je viens de la sortir là. On vient de sortir chercher les enfants. Et voilà, elle est comme ça. Mais du coup, je l'avais essayé là. Et en fait, ce qui est pas mal et vraiment pratique, c'est qu'en fait, ils sont vachement réglables. Donc du coup, on peut les régler autant qu'on veut. On peut faire le nœud comme on a envie. Et du coup, voilà, je la trouve trop mignonne avec. Ça lui va trop bien. Donc là, à midi, j'ai fait vite fait parce que vous savez que j'ai pas très le temps pour cuisiner. Donc j'ai fait des pâtes avec du fromage, des épinards à la crème et du poisson. Et les enfants ont des pâtes avec du steak haché. Le truc qui passe tout seul, quoi. Ah, Nolan! Oui. Et la poupinette est toujours présente à côté, elle nous regarde. Et voilà le résultat. Voilà, donc comme je vous le disais, c'est vraiment un nude, quoi. Bon, là, j'ai que ma main gauche de fait. Je crois entendre la petite se réveiller, donc je pense que la main droite, bah, ça sera pour plus tard. Et pour revenir donc au vernis, je disais qu'en fait, moi je les achète chez mon grossiste. Et je sais plus par contre combien je les paye. Je sais plus du tout, il me semble que c'est une dizaine d'euros, mais je suis plus sûre. Et voilà, en fait là j'ai fait ma première main. J'avais pas bien remué le flacon, c'est pour ça qu'il est aussi clair. Et là du coup, en faisant ma main gauche, mais vous le verrez pas peut-être, mais c'est un petit peu plus foncé. Bon, eh bien, il est 16h25. Je vais partir chercher les enfants à l'école. Donc, du coup, là, je vais y aller à pied. Il fait pas très moche. Ça va, il y a du soleil, etc. Et la choupette a fini son biberon et son goûter. Donc, du coup, je peux y aller. J'y vais pas souvent à pied comme ça en porte-bébé parce que justement, au moment où je vais chercher les enfants, ben, en général, c'est son goûter. Alors, soit elle a fini le goûter et il lui faut le biberon, ou soit ben, elle a pas encore commencé. Donc, c'est un petit peu compliqué comme ça. Et puis elle, c'est pas trop son truc le porte-bébé, j'ai remarqué, mais bon. Après c'est pratique, hein, donc voilà.
Il faut 30 centimes pour ton bonbon que tu veux. 30 centimes. Attends. 3 et 0. Combien? Non, 3. Et pourquoi? Je peux monter à moi. 3. 3. Ouais. Mais combien? Mais pas beaucoup, maman. J'ai même pas beaucoup. Bah quand même, hein. Voilà, je vais clôturer ce vlog ici. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous fais de gros bisous. Maman, il peut voir ma poteau courir.